Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi. Je vais me shaper un gap qui drop directement dans cette grotte. Regardez, ça c'est Louloud. Et ça, c'est la grotte. Et ça, c'est la récepte. Le guidon, il part vraiment pas loin. Oh non, mais c'est complètement stupide. Un coup de pédale. J'ai trompé. Pour réaliser ce défi, je suis en Picardie. Ça fait des années que j'ai envie de shaper ce gap. Malheureusement, avec le temps, le lieu s'est un petit peu dégradé et donc ils ont fermé l'accès aux gens. Ils ont mis des barbelés, donc on va faire attention. Comme le lieu est un petit peu instable, bah, il risque de s'effondrer à tout moment. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste shaper un petit saut qui drop dans la grotte et on va pas trop y rester, bien évidemment. Mais pour vous raconter un peu l'histoire de ce lieu, si je me trompe pas, à l'époque, ils venaient chercher les pierres ici pour construire leur maison. Mais s'il y a des personnes en commentaire qui reconnaissent les lieux, mais qui peuvent me raconter un peu plus son histoire, je suis bien chaud d'en savoir un peu plus. Pour réaliser ce défi, j'ai pris mon outil trail tool et puis ma tronçonneuse électrique. Donc allez, c'est parti. Là, il faut grimper ici. Suis-moi. Te casse pas la gueule, la caméra, elle coûte 2000 balles. Ah ouais? Ah bah ouais. On part un peu sur de l'urbex sur cette chaîne. Dites-moi si vous kiffez. Hein. Pareil, tout autour, je sais pas si c'est des trous d'obus ou bien la grotte qui commence à s'effondrer. Ici, il y a aussi un grand front de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu. Et pas loin, il y a les grottes de Thiécourt. Pendant la Première Guerre mondiale, les poilus construisaient des grottes afin de relier tous les villages et plusieurs fronts. Moi, j'ai venu visiter la Picardie. Il y a des super musées, il y a une association qui refont ces grottes-là. Je vous mets des informations dans la description. Voilà, je vous vois aussi un petit peu ma Picardie. Moi, j'aime bien ma Picardie. Regardez-moi cette belle forêt. C'est impressionnant. C'est gigantesque. En gros, la carrière avec le temps commence à s'écrouler et ça forme une sorte de trou d'un diamètre de facile 6-7 mètres. Et toute la terre qui est tombée dans la grotte, ça fait une sorte de récepte naturelle que je vais façonner aujourd'hui afin de créer une récepte de vélo. Donc ici, on a un tout premier drop assez naturel, donc il n'y aura pas beaucoup de taf à faire. Je peux rouler ici, me laisser descendre et dropper, ça fait quelque chose d'assez sympa. Mais le plus gros taf, le plus gros projet, je vais dropper là. Et juste en bas, il faut que je construise une récepte un petit peu plus rideable. Parce que là, si je drop, je m'explose et je les chevilles et les poignets. Est-ce qu'on se rend compte quand même de la taille du truc? C'est gigantesque. Hein. Ça fait des années que j'ai envie de faire ce projet. Niveau distance, franchement, il n'y a même pas 1m50 de gap. Mais par contre, niveau hauteur, moi, je fais 1m87. Donc, je pense que j'ai facile entre 2m50 et 3m de haut. C'est pas non plus gigantesque. Hein. Vous avez l'habitude de me voir dans mes vidéos sauter des gaps de plus de 10m de haut. Mais pour un gap freeride comme ça, c'est quand même fat. J'ai pris ma tronçonneuse afin de prendre plein de troncs, histoire de faire un mur qui va contenir toute la terre que je vais mettre là. Et il faudra que je tourne vite à droite. Parce que sinon, si je vais tout droit, je me tape les barbelés. C'est tout ça à l'intérieur. C'est vraiment trop stylé. Et voilà, je pense qu'à l'époque, ils venaient taguer les pierres ici pour leur baraque. Ça aurait été stylé que, tu vois, je drop là. J'atterris ici, et puis je sors de la grotte comme ça à Mach 12. Putain, j'ai trop le seum, mais tu vois, il y a des barbelés, on les voit pas. Par contre, je vous invite à ne pas venir ici dégrader les lieux et faire attention, parce que c'est une propriété privée, c'est interdit. Voilà les barbelés qui sont mis, et vraiment, le cadre est beaucoup trop stylé. Tout comme ce vélo, putain, comment qu'il est beau le vélo, oui. Comme tu vois, le bois que je prends, il est vraiment mort, mais bon, c'est pour faire deux sauts. C'est pas quelque chose qui est voué à tenir dans le temps, donc au moins je prends du bois mort, il est plus léger, c'est moins sportif. C'est le jaloux, quoi. Coupé, coupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, c'est bon. On va pas se faire chier. J'ai assez de bois. Franchement, c'est pas sponsorisé, je suis pas payé pour, mais je remercie les GoPower Plus qui m'ont envoyé cette super tronçonneuse l'an dernier. Genre vraiment pour shaper dans la forêt et en étant discret. C'est cool quoi. C'était à maîtriser. Bon bah maintenant qu'on a assez de bois afin de faire le caisson, et bah on va déblayer, enlever toutes les feuilles, parce que là c'est plein les feuilles. Enlever tous les cailloux ou tous les pièges qui pourraient être dangereux quand je vais rouler. Et puis choper de la terre. Mettre par-dessus, me construire une récepte. Ma récepte. Et de mieux.
gagné. J'avais peur que la terre soit difficile à tasser, mais finalement ça va. C'est de la craie qui, au fur et à mesure du temps, s'est effritée. Moi j'avais peur que de la craie ce soit difficile à tasser, mais finalement ça va, ça a l'air de plutôt bien se tasser. J'avais peur, tu vois, c'est d'atterrir, de planter les roues et de partir en avant, mais je pense que ça devrait le faire. Les amis, c'est bon, le gap est terminé. Ça fait quand même une belle hauteur. Généralement, quand tu regardes, niveau longueur, ça se résume à mon bras. Mais avant ça, on va se chauffer ici, là. Là, il y a une petite descente freeride, il y a moyen de s'amuser. Faut bien que je pense à lever la roue avant et baignop, parce que sinon je peux planter la roue avant et partir en soleil. Allez. Putain, en vrai j'avais pas fait gaffe, mais c'est quand même un petit drop hein. Je rampe ici et j'atterris ici sur cette récepte complètement à plat, c'est pour ça que je m'écrase. Mais quand tu vois la taille de mon vélo... On fait presque ma taille de drop. Les amis, il est l'heure de tester le gap. Franchement, ça fait un petit peu flipper. L'arbre, il est vraiment dans ma trajectoire. Puis on va pas le couper le pauvre arbre, sans déconner. Au pire, je ferai un petit câlin à l'arbre. Faut que je pense à mettre ma main vraiment à l'embout de guidon. Au moins, si ça tape l'arbre, ça vient coulisser sur tout mon bras. Et après, faut que je me tienne prêt à encaisser le choc à l'atterrissage. Parce que la récepte est quand même assez plate et elle va très vite arriver. D'habitude, les gaps, t'arrives avec une petite vitesse. Donc quand t'atterris, c'est dans la continuité. Et puis t'atterris tranquille ou bilou. Là, c'est vraiment, tu te laisses tomber et t'atterris. Faut juste que je pense bien à bien tourner là-bas parce que sinon, c'est le barbelé. Putain, il fait vraiment chier cet arbre. En plus, la prise d'air est vachement molle. S'il n'y avait pas cet arbre, ça serait bidon. Putain, en plus, c'est pas comme si j'allais être au sol, j'aurais juste à le couper. Mais vas-y, on va pas couper l'arbre. On n'est pas des vilains garçons. On est gentils, on aime la nature. Ou il aurait fallu qu'on bosse plus sur la récepte et la décaler, ouais. Allez. De toute manière, c'est toujours comme ça. Ça fait flipper et finalement, c'est super facile. Ah, c'était trop facile. Bon, du coup, j'ai pas pensé à tourner. Maintenant, il faut que je tourne à droite pour esquiver les barbelés. C'est trop chiant, ces barbelés. Ça aurait été tellement beau de sortir à max speed de la grotte en roue arrière. Ça aurait été un plan de malade. Putain, c'est bon, ça. Vas-y, je vais le refaire. En vrai, il est trop facile, le gap. Yes, pousse-le, les amis. Les amis, il y a Louloute qui vient nous rejoindre. Comment il va? Alors, Louloute, dis-moi, t'en penses quoi? En vrai, c'est méga chaud, quoi. C'est débile. En fait, l'arbre t'attend. Allez, tu tapes du long, c'est fini pour toi. Enfin, si, j'ai pris une tronçonneuse, mais je veux pas couper l'arbre, tu vois, parce que ça se fait pas. Bien. J'ai juste coupé, voilà, je vais être honnête, j'ai juste coupé une branche. J'ai juste coupé cette branche. En vrai, c'est stylé, un p***in de ce point de vue, c'est stylé. Ah, par contre, tu mets zéro style, je peux te dire que là, niveau style, j'en mets pas. Je sais pas si on le voit, mais regardez le guidon. Le guidon, il part vraiment pas loin. Oh non, mais c'est complètement stupide. Oh, c'est freeride ou c'est pas freeride? Non, c'est trop stupide. Moi, l'arbre, il me fait trop peur. En vrai, j'ai pas envie de taper dans l'arbre. C'est dingue, c'est la même chose que je me suis dit quand je me suis lancé, tu vois, c'est... Waouh, au moins nos cerveaux fonctionnent à peu près pareil, ça me rassure. Après, il a un nouveau vélo, hein. Bah justement, deuxième session avec. Bah, faut le roder le vélo, faut le tester. Au pire, tu sautes et tu t'accroches à l'arbre. En vrai, on dirait pas, mais c'est haut, hein. Non, mais c'est méga. T'as 4 mètres de haut, hein. Regardez, ça c'est Louloude. Et ça, c'est la grotte. Et ça, c'est la récepte. Ah ouais, là, il y a 5 mètres de haut, là. Oui, oui. Ah oui. En vrai, les gars, le décor, il est pas genre beaucoup trop stylé.
Allez Loud. Yo. Ça fait peur mais j'y vais quand même. Allez. Voilà. C'est marrant d'avoir des trucs comme ça en Picardie. Est-ce qu'on n'aurait pas du bon gros freeride en Picardie, sans déconner? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu, à partager cette vidéo en balle. Bien évidemment, si vous reconnaissez les lieux, je vous invite à ne pas venir les dégrader. Ne tentez pas le gap, ne tentez pas non plus de rentrer dans la grotte et faire des conneries dedans, c'est vraiment super dangereux. Et enfin, si vous souhaitez encore plus me soutenir, je vous rappelle, il y a le lien de ma boutique en ligne, tu se trouves dans la description. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao!